Santé à présent, le docteur Élise Eyang-Obam, directeur général du centre hospitalier universitaire de Vindo, lance un appel d'offres pour la fourniture en médicaments à la structure sanitaire en vue de répondre au mieux aux soins des patients. Césarie Nandem, Gérard Magnagna pour Le Point. Pour pleinement faire des analyses médicales sûres et fiables dans la prise en charge des patients, le centre hospitalier universitaire de Vindo lance un appel d'offres pour la fourniture des consommables de laboratoire et la restauration des patients. Cet appel d'offres est constitué de 3 lots repartis selon la demande et les besoins de cette structure sanitaire. Il est important que nous respections les règles d'acquisition des marchés qui exigent la transparence, l'égalité de traitement des dossiers des différents prestataires de la place. Et c'est pour cela que nous avons fait des appels d'offres ouverts lancés dans l'Union il y a un mois. Donc, ce qui a permis à certains de monter leur dossier, parce qu'il faut que nous assurons aussi que sur le plan juridique et administratif, ces sociétés sont en règle. Il est important d'encadrer les marchés dans lesquels nous engageons l'État. Les soumissionnaires de l'appel d'offres doivent se soumettre aux exigences stipulées dans les articles 71 à 73 du Code des marchés publics, tout en justifiant leur capacité juridique, technique et financière.